Vous êtes sur la radio, ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Lundi et dernier samedi de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. La date anniversaire de Radio Ici et Maintenant approche. La station fête ses 37 ans le 21 juin. 37 ans à votre service. C'est le moment de nous soutenir en adressant vos dons au 8 rue Violet, 75 015 Paris. 8 rue Violet, 75 015 Paris. Une autre solution ? Un don via PayPal à l'adresse contact@icietmaintenant.fr. Je répète, contact@icietmaintenant.fr. Merci. Je me rappelle à l'époque, dans les années 80, 90, et tu sais, quand on faisait appel à aider la radio, oh là là, les courriers, les lettres qui venaient avec des petits ou des grands chèques. Mais maintenant, ça a changé. Tout a changé. Ce n'est pas comme avant, mais PayPal existe. Pascal et James, et c'est James qui est le premier. Bonsoir James. Bonsoir David. Bah écoute David. Oui. J'ai pris la liberté de te tutoyer, mais je suis intervenu cet après-midi dans l'émission de ta fille, donc et à ce moment-là, je prends comme prénom Jacques. Mais James c'est anglais, puis Jacques c'est français, hein. Alors, si je prends Jacques, je serai obligé de te vouvoyer. De vous voyez. Parce que pour moi, vous êtes un grand homme. Pas le plus grand, hein, comme vous disiez avec Farid. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, mais vous êtes, chaque fois que je vous écoute, un grand homme pour moi. Vous êtes gentil. Mais pourtant, je ne vous ai jamais vu. Je ne sais pas quelle hauteur vous faites, quel visage vous avez, etc. C'est comme le prophète Mahomet, on ne sait pas le visage qu'il avait. Mais tu sais que Mahomet a dit que c'était un beau gosse, lui. Mais on ne sait pas, sauf avec des miniatures persanes. Ah oui, bravo, bravo.
Il y a des miniatures persanes où on le voit, mais après, enfin voilà. Donc, alors, je vais recommander, je vais faire vite, hein, parce que je vais recommander un bouquin savant. Oui. Qui coûte 7,50€, c'est pas cher. Non, que non. Je viens d'acheter. Ouais. Alors, c'est édité par Le Monde. Alors, Le Monde, c'est au départ, c'était le journal Le Monde qui avait été décidé par le général de Gaulle pour faire quoi, pour qu'il y ait en France un journal qui s'appelle Le Monde, comme en Allemagne, il y avait Die Welt. Die Welt, ça veut dire le monde en allemand. D'accord. Et le général de Gaulle a dit, je veux en France, pour rétablir la paix entre la France et l'Allemagne, je veux un journal qui s'appelle Le Monde. Et donc, c'est le premier qui a dirigé ce journal, s'appelait Hubert Boeuf-Méry, juste après la libération, là, après l'occupation. Oui. Et Le Monde, ça s'écrit en lettres gothiques. Qui est un hommage justement au journal allemand. Parce que les lettres gothiques, la langue allemande peut s'écrire en lettres d'imprimerie normale et en lettres gothiques qui sont un peu plus dessinées. Ouvrage, c'est un peu plus oriental, si on pourrait dire. Bon, alors, pour conclure, je vais dire que j'ai donc acheté un magazine hors série du journal Le Monde. Donc, c'est Le Monde des religions. Alors, il faut que je sois précis. Le Monde des religions de juin 2017, numéro 28. Alors, la thématique, c'est les origines de l'islam. D'accord. Alors, c'est passionnant. Il y a environ 18 meilleurs collaborateurs spécialistes du moment qui ont travaillé là-dessus. Alors, j'ai cherché le nom de David Abbassi, mais j'ai pas trouvé, mais c'est pas grave. Parce que j'ai écrit partout, j'ai souligné, j'ai même compté les 18 intervenants, les 18 spécialistes. Alors, je vais pas tous les citer, parce qu'il suffit de l'acheter, j'ai encore en librairie, hein. Ouais. Il y a l'Arabie à l'époque de Mahomet, recherche Françoise Michaud, ensuite Benjamin XVI, ensuite géopolitique Laurent Testo, Laurent Testo deux fois, cartographie à l'aube des conquêtes musulmanes, ensuite le mystère des moines d'Al-Qusur par Fanny Arlandis, ensuite Jacqueline Chabi. Ensuite, Malik Bazou. Jacqueline Chabi, c'est une grande spécialiste aussi. Donc, Mahomet n'a pas voulu fonder une religion, mais une alliance qui profite à tous. Voilà, bon. Ensuite, Malik Bazou, Aurélia Hetzel, Virginie Larousse, qui est la rédactrice en chef de cette collection du Monde hors série. Oui. Et puis, la dernière, c'est quoi? Alors, Henri Tink. Jérémy André, Lamec, ainsi naquit la cité d'Allah. Ensuite, Henri Tink, la succession de Mahomet, une saga de feu et de sang. Ah oui. Et oui. La définition du dogme, par Mathieu Tellier, la lente élaboration d'une orthodoxie musulmane. Alors, c'est bourré de belles illustrations. C'est vraiment très beau comme impression. Il y a combien de pages? Quand même, il y a un petit paquet. Hein. Faut travailler un peu quand même. Il y a 75 pages. 80 pages. Hein. 80 pages. 80 pages. Et alors, moi, je l'ai lu, souligné... rajouter des choses pour essayer de faire un truc, et j'ai compris un petit peu, j'ai compris une chose, tiens, parce que j'ai pas tout à fait terminé de faire ma synthèse, il faut que je le digère, comme on dit, il faut digérer un bouquin. Bien sûr. Que Daesh ou les califats, ce serait une réaction de que l'islam a peur de disparaître.
Donc, ayant peur de disparaître, une certaine partie de l'islam veut revenir aux origines avant qu'il y ait la disparition. Et c'est pour ça qu'il veut entraîner le monde entier dans une fin du monde, une apocalypse musulmane, si on peut dire, ou juive, ou tout ce qu'on voudra, de façon à ce qu'il reste quand même quelque chose de cette religion, avec ses paradis, c'est ça, avec, comme tu disais, avec Farid, le Allah le plus grand par rapport au plus petit, etc., etc. Donc c'est une explication que je comprends d'une certaine manière. Ils ont été tellement conditionnés, et ça va peut-être arriver pour d'autres religions, pour aussi bien le christianisme, le catholicisme, que les protestantismes, etc., etc. Enfin, tout ce qu'il y a comme religion, parce que moi, bon, je suis pas pour les religions, je suis pour la spiritualité. Alors il y a beaucoup de spiritualité aussi, alors il faut s'orienter en fonction de ce qu'on trouve sur son chemin. Enfin bref, voilà, je suis bavard, mais non, je voulais signaler... Très intéressant, merci, oui. Je voudrais signaler ça pour ceux qui voudraient se faire une synthèse, parce que là il y a vraiment les plus savants du moment. Et pour pas cher, quoi, tu vois. 7 euros. Donc... ça se trouve dans tous les magasins de presse. Hein. Donc, la couverture est noire. Et il y a... qu'est-ce qu'il y a en couverture? Ah oui, on voit Mohamed. Attends. Une seconde, là, je suis un peu long. Non, je prends bien ton temps. Parce que je voudrais retrouver les illustrations. Alors, ah oui, tiens, il y a une illustration, le prophète Mohammed prêchant à la Mecque, miniature persane. Ah, il est dedans alors. Ouais. Issu d'un ouvrage de Hafiz Abrou, 1415. Bravo. Mais alors, on voit le prophète qui enseigne. Ouais. Mais là, il y a eu le visage de Mahomet qui a été barbouillé. Ah, d'accord. Mais tu les sais autres son miniatures visage, qu'il y a visage... dans le magazine, oui. Non, il y a un visage, je ne sais pas si... Il n'y avait pas la photo à l'époque, donc on ne peut pas savoir. Hein. Non, on a dessiné, mais tu sais, il y a plusieurs images de Mahomet qui existent dans le monde musulman. C'est-à-dire, même la plupart des fois, tu vois, chez les gens... qu'ils ont cadré la photo de Mahomet ou la photo de Ali. C'est-à-dire, selon leur goût, ils ont dessiné l'image de Mahomet. Oui. Par exemple, à la page 16 là, du magazine en question, ouais. Il y a une petite image, la Mecque pré-islamique, avant l'islam, donc, était déjà un lieu de pèlerinage. Chaque automne, des nomades arabes. Exact. Pour les idoles. Et c'est une fresque égyptienne. Alors on voit un dromadaire avec écrit sur son dos machin truc, et puis enfin bref, voilà. Bon, c'est plein de belles illustrations, hein. C'est très beau à regarder. Et je peux pas en dire plus parce que je ne sais pas raconter des choses à la radio. Donc, comme se disait en antenne, plus je vieillis, parce que j'ai 83 ans, plus je vieillis, plus je me sens ignorant. Il ne faut pas dire ça. Regarde, à 83 ans, tu viens de nous présenter ce livre qui est tellement intéressant. Moi, je n'ai pas lu ce livre, mais tu viens de nous donner des explications. Ben, c'est l'avantage de ne pas avoir Internet. Voilà. Voilà. Non, c'est très intéressant. Il ne faut pas être déçu, il ne faut pas dire ça. À l'âge de 83 ans, tu nous présentes ce livre-là qui est formidable. Moi, je le conseille à tous nos amis d'aller le lire, hein, acheter et lire. Alors, comme je sais que tu as écrit 120 livres, voilà. J'ai commencé à chercher si je trouvais David Abbassi dans les noms, ouais. Etc. Ouais. Alors, je n'ai pas trouvé parce que je me suis dit peut-être que David, il prenait d'autres... il écrivait en arabe ou il... Non, j'écris en français. Mon dernier livre, c'est « Quelques sujets tabous sur l'islam ». Tu tapes sur l'Internet. Internet. Non, il y en a même... Oui, « Quelques sujets tabous sur l'islam ». C'est à l'occasion de son nom du livre
Paris est cinquième, 11 de mois de mai, que c'est sorti ce bouquin. Ah C'est oui. 127e livre de David. Mais je veux te dire ça, puisqu'on se connaît depuis des années, comme c'est par téléphone, à Oui, la radio. Depuis 15 ans, ou depuis 15 depuis, ans. Tu Depuis sais, 2002. moi, pour la plupart des fois, quand il y a d'autres chaînes de radio ou de télévision qui m'appellent ou qui m'invitent à faire des articles et tout ça, je ne les fais pas. Tu sais pourquoi? Puisque j'ai des mauvaises expériences avec tout le monde. Chaque fois que tu écris un article de 50 pages, de 10 pages, de 5 pages, au moment qu'ils vont diffuser, il y a la moitié qui est coupée, Ah oui. premièrement. Et quand tu parles, moi, s'il y a des chaînes internationales qui vont m'interviewer, on a fait des reportages sur moi, les chaînes françaises, les chaînes arabes, etc. Tout à coup, si David Abbassi, par exemple, Champs-Élysées, tu as d'autres en français, des reportages assez importants. Moi, la condition, c'est ça. Toutes les questions que vous posez, que je réponds, doivent être diffusées. Parce que si il me pose une question, après, moi, je parle 3 minutes pour répondre, et lui, il va mettre qu'une minute, ah, les gens ne vont pas comprendre, James. Pour ça, Oui. moi, à l'époque de Jospin, ça aussi je veux te dire, quand Jospin était Premier ministre, même à l'époque que Chevènement, il était ministre de l'Intérieur, on a essayé de créer un stand musulman. Ils ont invité plusieurs savants musulmans, par exemple les islamologues. Mais j'étais sûr, 3 fois, quand moi j'étais présent parmi les autres, moi je voyais les autres n'étaient pas islamologues, Oui. c'était des musulmans D'accord. croyants. Qui étaient présents avec moi sur le même table avec le Premier ministre, avec le ministre, c'était des musulmans. D'accord. Un musulman qui est croyant, ce qu'il écrit, c'est la croyance qui écrit. Il ne se permet pas d'écrire quelque chose qui est critique envers son idéologie. J'étais obligé de quitter. Seulement, je vais le dire, c'est sur l'antenne. Seulement, 2 personnes, ils ont accepté, enfin, ils m'ont commandé, après, ils ont accepté le livre que je fais, Islam de France. Islam de France, c'est le livre que je viens de dédier, il était publié il y a déjà quelques semaines, quelques sujets tabous sur l'islam. Ça, c'est le Alors point. attends, David, est-ce que je peux le trouver chez un libraire ou à la FNAC ou des choses comme ça? À la FNAC et tout ça, on a proposé, ils n'ont pas encore passé la commande, on est en train de le vendre par l'Internet, parce qu'il fallait qu'ils commandent, tu sais, on propose le livre, et puisque c'est récent, ça prend du temps qu'ils passent la commande, tu comprends? Non, mais ça fait rien. Mais moi, ce que j'aimerais, je n'ai pas de livre signé David Abbassi, tu comprends? Ah, d'accord. J'aimerais bien en avoir un, si possible assez récent, comme ça, parce que depuis le temps que je t'écoute, je pense connaître un petit peu comment tu penses et comment tu réagis. Donc Alors, voilà. je fais une publicité pour moi, voilà, si tu veux commander, à cette adresse-là, Institut Avesta, en première ligne, deuxième ligne, 66, Avesta, AWE comme étoile, STA, Institut Non, mais Avesta. attends, pour moi, ce qui est plus facile, je vais chez un de mes libraires ou maison de la presse. Ils ont des ordinateurs et je dis, vous tapez par exemple David Abassi. Voilà, et Alors surtout le A titre. de B S I, je sais l'orthographe. Et David, membre de la famille des Abbassides. Non, c'est pas ça. Non, non, si tu tapes comme ça, il y a le plus facile. Sur l'Internet, il y a Google, Yahoo juste en haut, il y a HTTP, tu tapes seulement abbassi.fr. Non, parfait. Non, non, mais j'ai des libraires qui sont Abbassi.fr. très intelligents. Ils Non, se tu savent. le dis qu'il tape abbassi.fr. Là, tu as la page qui va apparaître et tous les livres. Tu vas le voir. Abbassi.fr. Bon, à ce C'est-à-dire A moment-là, de je serai B, content. ASI, comme tu viens de dire, A de B, ASI.fr. Parfait. C'est-à-dire, Bon. voilà, c'est pas la peine de taper www, HTTP, seulement vous tapez Mais non, mais abbassi.fr, c'est c'est tout. mes libraires qui sont très intelligents, ils s'occupent de tout ça. Excellent. Parce que Excellent. moi, je suis le dernier des cons. Non, non, non. Mais je te Allez. remercie, ça c'était très intéressant, surtout quand tu as cité les noms des islamologues, c'était tous des noms non musulmans, voilà. Ça se voit que c'est un livre formidable puisque ce n'est pas écrit par les croyants. Parce que Oui. Tiens, c'est. par exemple, j'ai sous les yeux avec une petite photo de Jacqueline Chaby, Ouais. agrégée d'arabe et professeure émérite des universités spécialiste des origines de l'islam. Elle est en particulier l'auteur de Le Seigneur des Tribus,
l'islam de Mahomet, réédition CNRS, édition de 2013. Mais là, il y a un article récent d'elle, voilà. Bon, bah, très bien, très bien. Excellent, James. Donc, merci à cette radio ici maintenant qu'il faut soutenir, hein, parce que les radios, ça peut disparaître, c'est comme nous. J'en ai parlé cet après-midi ailleurs, enfin voilà, elle n'est pas encore morte. Hein. Non, elle est là, vivante, debout, plein de pieds. Je t'embrasse. Hein, merci, j'embrasse moi aussi, James. Je t'embrasse. Merci, au revoir. Voilà, c'était James sur 95 FM, radio ici et maintenant, mes chers amis. Voilà, je ne suis pas habitué, même pas, j'ai pas besoin de faire publicité pour moi, mais puisque James il vient d'en parler, si vous tapez David Abbassi sur l'internet, et David Abbassi, A-D-B-A-S-I, bien sûr, c'est abbassi.fr, A-D-B-A-S-I.fr, voilà. Vous écoutez votre radio et vous avez la parole. Mais pour l'instant, ça. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.